Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui trois exercices pour lutter contre l'arthrose au niveau de vos mains. Donc les exercices sont relativement simples, bien qu'il faut les faire quotidiennement, évidemment pour qu'il y ait un réel effet sur l'arthrose au niveau de vos doigts, au niveau de vos mains. Le premier exercice, c'est un exercice d'étirement. Le deuxième, un exercice de renforcement musculaire. Et le troisième exercice, un exercice de mobilisation des poignets. Le premier exercice, donc étirement, ça va être plutôt pour étirer vos doigts et on va aller les étirer vers l'extérieur. Je rappelle le principe des étirements, pas de douleur s'il vous plaît. S'il y a une douleur, c'est que la position elle est pas bonne ou alors c'est que vous tirez trop, d'accord? Le tiraillement doit être léger, ok? Donc pas de douleur, tiraillement léger. Vous maintenez le tiraillement pendant 20 à 30 secondes. Ok, et vous alternez évidemment main droite ou main gauche. Donc vous tendez votre bras devant vous, ok, et vous allez avec l'autre main tirer vos doigts vers vous pour sentir un tiraillement au niveau de votre poignet et au niveau de vos doigts. Une fois que vous sentez ce tiraillement là, vous maintenez cette position là pendant, on avait dit combien, 20 à 30 secondes. Ok, allez, c'est parti, faites-le en même temps que moi pour être sûr de bien maîtriser cet exercice là. Il n'est pas compliqué. Vous voyez bien? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, etc., etc. Si vous êtes à l'aise avec ce type d'étirement, vous pouvez aller jusque 30 secondes. Et la même chose de l'autre côté, d'accord? La main bien tendue, vous prenez vos doigts et vous tirez vos doigts vers vous, ça va étirer, vous allez sentir le tiraillement aussi au bout des doigts, d'accord? Donc pendant 20 à 30 secondes, cette position-là. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est très important de maintenir cette posture pendant 20 à 30 secondes. Parce que si vous me faites, je les connais ces gens-là, hein, qui me faites juste un étirement, puis au bout de 5 secondes, ils arrêtent, ça n'a vraiment aucun intérêt. Un étirement, il faut qu'il soit long pour que vous ayez vraiment des bénéfices sur le moyen. Même à court terme, hein, au bout d'une semaine, vous avez déjà des bénéfices si vous le faites tous les jours. Okay. Donc, premier exercice, les étirements, vous les avez. Pour le deuxième exercice, donc on a dit un exercice plutôt de renforcement musculaire. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel, pas grand chose. Moi, j'ai préparé du matériel à côté. Vous avez besoin soit d'une petite balle en mousse, donc choisissez-la en fonction de la taille de votre main, d'accord? Ou alors, vous pouvez prendre un torchon, un chiffon, peu importe ce que vous avez sous la main, ça fonctionne très bien aussi. Vous positionnez donc la balle dans le creux de la main, ne la positionnez pas au bout, d'accord, c'est pas du tout le même exercice, dans le creux de la main. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez serrer cette balle en mousse le plus possible, d'accord, et vous allez maintenir en fait la contraction pendant quelques secondes et vous allez relâcher. Ne maintenez pas la contraction pendant 20 secondes, c'est pas le même exercice que les étirements. Là, c'est de la contraction et du relâchement. Au terme de nombre de séries, vous allez faire donc 10 répétitions pour 3, 4 à 5 séries. On va faire la première série ensemble. Donc vous tenez la balle dans votre main et c'est parti. Donc contraction, 1, 2, 3 secondes et vous relâchez. Et vous continuez comme ça sur 10 répétitions. 2, 3 et relâchez. Encore, 1, 2, 3. Et relâchez. Essayez vraiment de serrer le plus possible cette balle. Alors, sans douleur, hein. On est vraiment là pour travailler sans douleur. Si à un moment donné, vous avez des douleurs qui apparaissent, c'est peut-être parce que vous contractez pour le coup trop fort. L'objectif, c'est d'essayer de renforcer les muscles qui permettent de faire cette contraction-là. Okay? Une fois que vous avez fait vos 10 répétitions ici, vous faites les 10 répétitions de l'autre côté. Et si vous n'avez pas de balle, vous pouvez prendre un chiffon, comme je l'ai dit, ça fonctionne aussi. Prenez-en 1, 2 ou 3 en fonction de l'intensité que vous souhaitez. Et l'exercice, donc je rappelle, contraction et relâchement. Et 10 répétitions comme ça. On en est à la deuxième et vous relâchez. Troisième, essayez de contracter le plus possible sans qu'il y ait évidemment trop de douleurs qui apparaissent pendant cet exercice-là. Ok, une dernière fois, pour terminer notre série d'à peu près 10 répétitions. 10 répétitions,
Le nombre de séries, 3, 4, maximum 5 répétitions. Ça, vous pouvez le faire tous les jours comme les étirements. Okay. Le troisième exercice, c'est un exercice de mobilisation. Donc là, il n'y a pas besoin de matériel. Vous avez juste besoin de vos poignets puisque c'est de la mobilisation de poignets. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de faire dans un premier temps ce geste-là. D'accord ? Votre poignet, il est fait pour faire de la flexion et extension. Donc, dans un premier temps, vous allez effectuer ce mouvement-là. Donc là, on est sur de la flexion, l'extension, pardon, extension et flexion, hein, on est d'accord, hein. Extension de poignet et flexion de poignet. Et essayez d'aller de plus en plus loin dans la flexion et dans l'extension de votre poignet. Pensez au mouvement de la moto, hein, la mobilette, hein, de ce que vous avez fait quand vous étiez un peu plus jeune, peut-être que vous en faites encore maintenant. Ok. Flexion et extension. Donc ça, c'est le même principe que le renforcement musculaire. Vous faites à peu près 10 mouvements par poignet et à peu près 3, 4, allez, max 5 répétitions. Okay. Ça, c'est le premier exercice pour la mobilisation. Il y en a plusieurs. Parce qu'évidemment, votre poignet il va pouvoir bouger dans tous les sens. Sur ce mouvement-là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. D'accord ? Ça, c'est un mouvement sur les côtés. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, ce mouvement-là, oui, les mouvements de rotation du poignet vont avoir un intérêt sur la prévention de l'arthrose. Donc là, c'est plutôt au niveau de vos poignets. D'accord ? Donc, mouvement de rotation, évidemment, dans un sens, mais aussi dans l'autre sens. Donc, si ça craque un petit peu, a priori, c'est plutôt normal. Hein, c'est l'articulation qui bouge. Une articulation, elle est là pour vraiment bouger. Surtout, le poignet, elle est assez complexe. D'accord ? Donc, rotation dans un sens, rotation dans l'autre. Si ça craque, ce n'est pas grave. Par contre, si ça fait mal, évidemment, n'allez pas chercher trop loin dans les amplitudes. Essayez de ne pas solliciter de douleur. D'accord ? Donc, 10 tours dans un sens, 10 tours dans l'autre, et évidemment, pour l'autre poignet aussi. Il y a d'autres mouvements qui peuvent être faits. Là, vous pouvez le faire de manière individuelle, mais vous avez aussi ce mouvement-là. Ça, c'est des mouvements que vous faites peut-être dans des associations, quand vous avez des cours de gym douce. En échauffement, on fait cet exercice-là. Donc là, concrètement, c'est un exercice de mobilisation articulaire. D'accord ? Mobilisation articulaire. Là, pour le coup, au niveau des poignets. Collez vos coudes, d'accord ? Et faites bouger uniquement vos poignets. Parce que si vous me faites bouger aussi vos coudes, ça n'a pas le même sens. D'accord ? Donc, collez vos coudes et faites bouger vos poignets. Donc, même exercice, enfin, même nombre de répétitions. Je me répète un petit peu, mais c'est vraiment important. Rotation. 10 mouvements dans un sens, 10 mouvements dans l'autre, de la flexion, de l'extension. Et vous faites ça un petit peu tous les jours, entre 3, 4, 5 séries. Et vous allez voir les résultats pour lutter contre l'arthrose. Ça va diminuer concrètement vos douleurs. Et voilà pour ces trois exercices. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos.